Bon, je vois déjà certaines personnes dire, ouais, mais tu voles le contenu de la chaîne La Suite de Trop. Non, parce qu'aujourd'hui, on va parler de suites qui auraient dû voir le jour, mais qui heureusement nous ont été épargnées. Parce que clairement, on les aurait vues, je pense qu'on serait un peu décédé au niveau de la tête. Parce que oui, clairement aujourd'hui, les suites dont on va parler, heureusement qu'on est passé à côté. Parce que soit ce sont des suites qui s'attaquaient à des œuvres cultes, soit ce sont des suites qui s'attaquaient à des œuvres qui n'avaient clairement pas besoin de suite, soit c'était des suites qui étaient nées d'une idée un peu perchée, pas forcément toujours très cohérente, ou dans une envie de vouloir tellement capitaliser sur le succès de quelque chose, que rien qu'en les évoquant, on sentait que ça puait la merde. Pardon du terme. Mais clairement, ouais, les suites que je vais évoquer aujourd'hui, heureusement qu'on est passé à côté, hein, parce que autant il y en a certaines, elles pouvaient sembler à peu près intéressantes, mais ça aurait été dommage de donner une suite à quelque chose qui n'avait pas besoin d'avoir une suite, soit clairement, bah, c'était des films qui étaient un peu à côté de la plaque, et qui pensaient avoir une bonne idée, mais qui l'emmenaient dans une direction tellement farfelue ou tellement barrée que honnêtement, même avec toute la plus grande bonne volonté du monde, ça n'aurait jamais pu terminer sur une bonne chose. Donc ne perdons pas plus de temps et abordons tout de suite la première suite auquel nous avons heureusement échappé. Alors, la première suite en question, heureusement qu'elle n'a pas vu le jour, parce que personnellement c'est un film qui fait partie de mes gros films cultes. Les films que j'adore, que je surkiffe, qui sont emmenés par des acteurs qui déboîtent et qui surtout ont une histoire qui prend totalement aux tripes. Parce que, suite au succès assez indéniable de Point Break de Kathryn Bigelow, eh ben, le studio s'est dit que ça serait pas mal d'en faire une suite. Et ainsi a commencé à voir le jour ce qui aurait dû être Point Break Indo, réalisé par Yann de Bont, qui aurait suivi l'histoire d'un agent de la Navy qui, en Asie du Sud-Est, aurait cherché à traquer un gang de criminels. Et on aurait soi-disant découvert ce qui serait arrivé à Bodhi suite à la fin du premier long métrage. Heureusement qu'on est passé à côté de ça, hein, je me dis, parce que. En fait, le souci, c'est que le film devait être porté par deux acteurs qui à l'époque n'étaient pas du tout connus. Et je suis pas sûr d'ailleurs aujourd'hui qu'ils aient réussi à plus que ça percer au sein du cinéma hollywoodien. Ça devait être réalisé par Yann de Bont, Yann de Bont plus connu pour avoir réalisé Speed. C'est pas non plus un truc de fou. Twister, pareil, c'est pas un truc de fou, mais c'est un très bon directeur de la photographie qui était très en vogue à l'époque et qui était réécrit par le même scénariste que le premier Point Break. Donc il y avait un petit peu de gage de qualité, mais honnêtement, si on voit la base du projet, ça sentait mauvais. Et le film était clairement galvanisé et créé uniquement dans l'idée de vouloir capitaliser sur Point Break, hein, pas dans l'idée de vouloir créer une histoire prenante ou un truc comme ça. Personnellement, je pense qu'au vu de la gueule que le projet devait avoir, ça aurait clairement fini en DTV, hein. Il n'y aurait même pas eu une case cinéma, parce que je pense que le projet aurait été abandonné à mi-chemin par les producteurs, ou alors que le distrib aurait dit en fait, non, ça sent pas bon, donc on va laisser tomber et on va voir ce qu'on peut faire d'autre de mieux. Donc, heureusement qu'on n'a jamais vu ce projet, parce que je pense que si on l'avait vu, on aurait eu mal aux yeux. Et encore une fois, il y a cette idée qu'on n'exploite même pas les deux personnages principaux de Point Break. On se contente de mettre d'autres personnages et vaguement, potentiellement, à un moment dans l'histoire, on aurait évoqué à nouveau l'histoire de Bodhi. Mais sinon, le reste du temps, ben, on se serait attardé sur d'autres persos. Et honnêtement, au vu de ce que le remake, entre guillemets, a donné, heureusement qu'on est passé à côté de ça. Parce que clairement, ça se voit que le remake a pris une bonne partie du travail de ce que cette suite aurait dû être comme base de travail. Et vu comment le remake est, et bah heureusement qu'on a échappé à ça, moi je vous le dis. Le deuxième film qui aurait dû avoir une suite, en soi, pourquoi pas. Mais en même temps, au vu de comment ça devait prendre forme, je suis pas sûr que ça aurait été très bon. Parce que oui, il a été pendant un temps songé à faire une suite à Seven, qui se serait appelée tout sobrement Seven 2, et qui aurait suivi donc Somerset. Parce que bah, son acolyte est un peu en hôpital psychiatrique suite à ce qui lui est arrivé, et il se serait mis à enquêter sur un tueur en série, noté dans le pitch, particulièrement retors. Voilà, j'adore quand on définit ça. Donc à la base, le film, il avait juste Morgan Freeman qui était prêt à suivre le projet. Visiblement, personne d'autre n'était prêt à le suivre, que ce soit les scénaristes, que ce soit David Fincher,
que ça soit la prod, il n'y avait que Morgan Freeman pour le moment qui était affilié au projet lorsqu'il a été évoqué. Et le scénario devait être écrit par Ted Griffin. Ted Griffin qui était plutôt un scénariste en vogue à l'époque et qui ensuite va clairement perdurer. Enfin, je vous invite à aller voir la page IMDb de Ted Griffin. Vous verrez que c'est un cinéaste et un scénariste qui, à Hollywood, a clairement réussi à faire son petit bout de chemin. Mais donc, oui, il a été évoqué vaguement ce projet. Heureusement qu'on est passé à côté parce que, en soi, le pitch peut être un minimum accrocheur, mais clairement, ça fait une doublette à Seven. Ça n'apporte aucune profondeur, aucune ambiguïté, rien de plus. Et vu la puissance qu'était Seven, que ce soit en termes de cinéma ou en termes d'émotion ou en termes de ressenti, je vois pas comment on aurait pu espérer avoir un truc qui aurait surfé ne serait-ce qu'un tout petit peu sur la même vague. On aurait un truc qui vaguement aurait réussi à capter à peu près une ambiance similaire, et encore je suis même pas sûr, mais honnêtement, je pense qu'on a évité un film qui aurait clairement souillé la mémoire du film de David Fincher. Parce qu'en soi, le projet peut être intéressant, mais comme la grande majorité de ses suites, c'est pas parce que ça peut être intéressant que ça va forcément donner quelque chose d'intéressant. Le troisième film en question, alors techniquement, il y a eu une suite. Heureusement, ça n'est pas celle que je vais vous évoquer là. Parce que, au courant des années 90, il a été pensé, pendant un vague instant, que ça serait bien de donner un troisième volet aux aventures des bronzés. Et on s'est dit, hey, les bronzés en les visiteurs en Amérique, c'est pas une mauvaise idée. Et si on faisait les bronzés en Amérique? Et voilà comment Patrice Leconte a potentiellement imaginé, durant un instant, avec ses producteurs, l'idée d'embarquer toute la bande des bronzés aux États-Unis dans un road trip. C'est ça le pitch, hein. Y a rien d'autre. Aucune autre ambiguïté ou ambition. Rien de plus. Simplement, on les prend, on les met aux États-Unis, on voit le choc des cultures. Quand on voit ce que ça donne avec les tuches et avec les visiteurs, heureusement qu'on a évité ça. Parce qu'en plus, c'était vraiment la même équipe. Tout le monde était partant pour aller dans cette idée-là. C'est-à-dire que vraiment, il y avait toute l'équipe du Splendid, il y avait Patrice Leconte, il y avait les producteurs, il y avait tout le monde. Tout le monde était chaud. J'ai même pas imaginé quelle star américaine ils auraient réussi à embarquer dans leur trip, parce qu'il y aurait forcément eu des caméos là-dedans, ça aurait été complètement délirant et fumé. Mais il y a eu cette idée-là qui est passée dans la tête de Patrice Leconte et des prods à l'époque. Heureusement qu'on l'a évité. Parce que quand on voit un peu la catastrophe qu'a été les visiteurs en Amérique, en sachant quand même que t'avais John Hughes qui était à l'écriture, et que Jean-Marie Poiré continuait de réaliser les films, je me dis que, en sachant qu'il y avait du talent quand même derrière la caméra, là, ça aurait pu vraiment être catastrophique. Je dis pas que les bronzés, c'est pas bien. Le 1 et le 2 sont très bons. Et d'ailleurs, on voit à quel point, de base, faire un troisième, c'était une mauvaise idée, parce que Bronzé 3 a mis pour la vie, c'est un grand moment de malaise. Hein. Grand moment de malaise. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné les bronzés en Amérique. Je pense qu'on aurait eu un peu mal. Un peu mal à notre France. Le quatrième film dont je vais vous parler, alors techniquement a eu une suite spirituelle, mais vraiment spirituelle. Mais lorsque dans les années 90, pareil, il y a eu une idée qui est passée par la tête de certains prods anglais, et on s'est dit que ça serait sympa de donner une suite à The Full Monty, qui se serait simplement appelé The Full Monty 2, qui aurait certainement eu un titre un peu graveleux, parce que le pitch, c'est les mêmes persos qui veulent devenir des stripteaseurs professionnels. C'est dur de se dire qu'à Peter Cataneo et Simon Beaufoy qui étaient prêts à rempiler pour ça, et que la quasi-totalité du casting original était chaud pour aller là-dedans. Parce que vraiment, je pense que ça aurait été ridicule. Pour vous donner une idée, quand je parle de suite spirituelle, pour moi, j'ai l'impression que Magic Mike et Magic Mike XXL, c'est The Full Monty et ce qu'aurait dû être The Full Monty 2. C'est-à-dire que vraiment, Magic Mike XXL, c'est pas un très bon film. Ça a beau être bien shooté et ça a beau avoir des bons acteurs, ça reste quand même un délire un peu nul, qu'on se le dise. Ça a pas l'air foufou, ça a pas l'air très ambitieux, ça a l'air assez ringard. Et ouais, The Full Monty 2 aurait clairement surfé sur la même vague. Et je dis pas, encore une fois, on est sur une suite qui, sur le papier, est entourée du meilleur potentiel possible avec son équipe technique et avec potentiellement les mêmes acteurs. Donc là-dessus, on repart sur une idée qui peut être vraiment fun. Mais non, ça sent pas bon. Et heureusement qu'on y a échappé, hein, parce que je pense que ça aurait été très graveleux. Hein. Je pense qu'on aurait eu un truc genre
The Full Monty 2, Naked Version ou un truc comme ça, on aurait eu un sous-titre complètement pourri, et ça se trouve, on se serait retrouvé avec un film directement en vidéo, hein. Parce que je vois pas comment ils auraient pu balancer ça en salle, sérieusement, et surtout comment ils auraient pu réussir à faire un truc à minimum fun. Parce que je vous rappelle quand même, pour être sincère, le premier The Full Monty, ceux qui connaissent la fin savent pertinemment que c'est justement ça qui est intéressant. Qu'il n'y a jamais de full naked. Et que si on avait eu ça sur The Full Monty 2, oh là là, qu'est-ce que ça aurait été malaisant. Mais les acteurs en plus sont tellement excellents, ça les aurait foutus dans une position. Je suis sûr qu'il y aurait une partie du casting qui n'aurait pas voulu rempiler, hein, tellement le projet aurait vraiment pu noyer leur carrière. Hein. Et le dernier projet n'est pas un projet que j'aurais pas forcément aimé voir. C'est un projet qui doit rester ce qu'il est. Parce que Francis Ford Coppola a songé pendant un temps à faire une quatrième partie au Parrain, qui devait être un complément à la partie 3, et qui devait revenir sur le personnage de Vincent Mancini, donc le fils illégitime de Sonny Corleone, et le film aurait dû reprendre le même schéma que le Parrain partie 2, c'est-à-dire à la fois suivre l'ascension de Vincent Mancini à la tête de la famille Corleone, et à côté suivre la genèse de Sonny Corleone. Honnêtement, sachant que la jeunesse de Sonny Corleone doit pas être aussi folle quand même, soyons sincères, que celle de Michael Corleone ou de Don Corleone, ben, je pense que le projet aurait pas raconté grand-chose, hein, tout simplement. Et en soi, le projet aurait pu être cool parce que à la base, donc Francis Ford Coppola avait en tête donc de reprendre Andy Garcia dans le rôle de Vincent Mancini et dans le rôle de Sonny Corleone jeune, il voulait prendre Leonardo DiCaprio. Vu comment un certain Robert De Niro a décroché un Oscar en jouant Don Corleone jeune, je pense que potentiellement Leo DiCaprio aurait pu repartir avec une petite statuette. Le film n'a pas eu lieu, en un sens heureusement, parce que pour moi et pour beaucoup de gens, Le Parrain reste une trilogie. Pour certains, c'est même un diptyque, tellement ils considèrent que le troisième volet, même avec le remontage, n'est pas une suite légitime du Parrain. Moi, je trouve pas que ça soit le cas, c'est une suite légitime. Mais pour beaucoup de gens, Le Parrain est une trilogie et se doit de rester une trilogie. C'est pour ça que quand j'entends des histoires comme quoi on veut faire des remakes du Parrain ou même des remakes de Scarface un peu dans le même genre, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est des films qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas besoin en fait d'avoir de revival. Même si Scarface c'est un peu particulier parce que c'est en soi déjà un remake. Mais voilà, ce sont des films qui ont besoin d'être dans leur bulle, de ne pas être touché, d'être sacralisé. Et Le Parrain 4, même si c'était porté par une grande majorité de la même équipe, personnellement, j'aurais pas vu l'intérêt. Parce que le film est ce qu'il est. C'est un projet fantasmé, qui aurait pu voir le jour, qui aurait pu être intéressant. C'est mieux qu'il reste dans cette espèce de vague idée que ça aurait pu voir le jour, mais que Francis Ford Coppola a décrété que ça serait pas une bonne idée et qu'il fallait le laisser dans un coin. Moi, j'aime bien cette idée-là. Personnellement, ça me convient. Et ça fait que même si le projet peut être alléchant sur le papier, il n'en reste pas moins que je pense qu'il n'y aurait eu pas grand-chose à raconter. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, voilà, c'est des projets qui auraient dû voir le jour et qui, heureusement pour moi, n'ont pas vu le jour. Soit pour des raisons tout simplement artistiques, ça aurait été vraiment une catastrophe. Soit pour des raisons purement éthiques, ça aurait pas été utile de faire des films comme ça. Soit tout simplement parce que même si le projet peut être intéressant sur le papier, je pense pas que dans les faits, il aurait été vraiment bon de le faire. Parce qu'il aurait pu soit désacraliser une grande saga, comme c'est le cas avec Le Parrain, soit simplement démystifier un film qui aujourd'hui est devenu un classique pour beaucoup, comme par exemple Seven. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous connaissez des films comme ça qui auraient potentiellement eu une suite, mais qui ne l'ont pas eu. Et heureusement, je sais qu'il y a beaucoup de films français, type Le Gendarme, Fantomas ou des trucs comme ça, qui devaient avoir des suites et qui ne les ont pas eues. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça n'aurait eu aucun intérêt. Et d'ici là, bah, je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films. Et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. À plus! Ah non, mais ouais, imaginez. Après, les gendarmes contre les extraterrestres, ils voulaient envoyer le gendarme dans l'espace. Et ils voulaient faire des trucs avec Fantomas, ça semblait indigne. Hein. Heureusement qu'on est passé à côté de ça, moi je vous le dis. Hein.